Allez, c'est parti pour cette huitième et dernière épreuve, le prix Cadro Fegno, une course attelée pour amateurs et pour chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans, 3000 mètres à parcourir avec Apollo des Rochas qui s'est montré le plus rapide au départ avec également Valdenza. Verdi de Châtelet vient en troisième position, numéro 8 avec également Alberto Maza et à l'extérieur on se rapproche avec Vegas Braise alors qu'on est long de la corde avec Valseur du Cygne alors qu'Union Favorite est venue maintenant en 6, 7e position avec également dans son sillage Val de Nappe. On est à l'arrière-garde avec un beau gitan et en avant-dernière position décollé du peloton avec Voyou du Lair. Avec Apollo des Rochas qui a l'avantage, on est en deuxième position avec le numéro 7, Valdenza. On vient en troisième position maintenant avec Verdi du Châtelet. On continue sa progression tout à l'extérieur avec Valdo Nappe. On se retrouve ainsi en cinquième position avec le numéro 4, Vegas de Braise. Alors que long de la corde, nous avons le numéro 8, Valseur du Cygne, accompagné par le numéro 11, Union Favorite. Victorieux Désert vient ensuite avec Alberto Maza, juste devant Anaïko Kiroda. Et le long de la corde, nous avons également le numéro 10, Ukraine du Galon. Avec Valdo Nappe maintenant qui s'est installé au commandement. On revient à son extérieur avec le numéro 2, Apollo des Rochas qui va reprendre l'avantage. Verdi du Châtelet qui vient maintenant à la hauteur de Valdo Nappe en troisième position. Alors qu'on est quatrième maintenant le long de la corde avec Valdenza. On est en cinquième position plutôt côté corde avec Valseur du Cygne. Alors qu'à son extérieur, nous avons toujours le numéro 4, Vegas de Braise. Et on se rapproche maintenant à l'extérieur avec Anaïko Kiroda. On est un peu plus loin maintenant avec Union Favorite et également dans son sillage. Nous avons Victorieux Désert avec numéro 1 Alberto Maza. Vulcain de Corbery est à l'arrière-garde ainsi que Ukraine du Galon avec Uxia Gel et également une valse d'avant. À l'issue du premier tour, avec Anaïko Kiroda maintenant qui s'installe au commandement et qui relaie ainsi Apollo des Rochas avec en troisième position, plutôt à l'extérieur, qui est né au vent, Verdi du Châtelet, alors que Valdo de Nappe est en quatrième position, le numéro 15, plutôt côté corde. On vient sur un quatrième rideau et côté corde avec Valdenza sur la même ligne, toujours Vegas de Braise, alors qu'on est un peu plus loin maintenant avec Valseur du Cygne, également avec le numéro 11, Union Favorite. On fait partie de la deuxième partie du peloton avec Victorieux Désert, avec Alberto Maza, Vulcain Corbery, Ukraine du Galon. On est un peu plus loin encore avec Uxia Gel, avec Voyou du Lair, et on ferme la marche actuellement avec un beau gitan. Il leur reste un peu plus de 1100 mètres à parcourir avec une Anaïko Kiroda qui a l'avantage. En deuxième position, toujours Apollo des Rochas avec en troisième position côté corde Valdo de Nappe. On est toujours né au vent vers Verdi du Châtelet qui emmène dans son sillage numéro 4 Vegas de Braise. Alors qu'on est en sixième position avec le numéro 7 Valdenza. On est un peu plus loin avec le numéro 11 Union Favorite qui tente maintenant de progresser à l'extérieur. Alors que Valseur du Cygne vient ensuite avec Alberto Maza devant Victorieux Désert. Vulcain Corbery à l'arrière-garde toujours une valse d'avant. Avec également Ukraine du Galon, avec encore Voyou du Lair et un beau gitan. Il leur reste 700 mètres à parcourir, pas de changement en tête, à savoir Anaïko Kiroda, avec Apollo des Rochas, avec Verdi du Châtelet, avec maintenant en troisième position plutôt à l'extérieur. On se rapproche avec Union Favorite. On est en cinquième position avec le numéro 15, Valdo de Nappe. Un peu plus loin, nous avons Vegas de Braise avec Alberto Maza et encore un peu plus loin, Vulcain Corbery. Au centre du peloton, nous avons Victorieux Désert et encore un peu plus loin, nous avons Valdassa qui est à la faute. Le numéro 7, Valdenza, vient d'être disqualifié. Ils sortent du dernier tournant pour aborder l'ultime ligne droite. Anaïko Kiroda qui a l'avantage. En deuxième position, Apollo des Rochas. En troisième position, Verdi du Châtelet. Et en quatrième position, on tente de se rapprocher maintenant avec Union Favorite et également avec Valdo Nappe. Il leur reste 100 mètres à parcourir. Anaïko Kiroda avec en deuxième position, Verdi du Châtelet. On est en troisième position maintenant à l'extérieur avec Union Favorite. Avec également Valdo de Naples, la victoire pour Anaïko Kiroda, la deuxième place pour Verdi du Châtelet, numéro 8, et la troisième place pour le numéro 11, Union Favorite.